Vous voulez qu'on commence par ça? Si vous voulez, si ça peut être un point d'accroche. Ou bien on continue sur le, si vous voulez, sur l'embauche des infirmiers psy à la bande. Ce sur quoi on était resté. On peut dire un petit mot de ça? Oui. Oui, ça c'est un extrait quoi d'un livre dont je fais une espèce de postface d'un copain de Fernando Vicente qui est espagnol. Oui. Il est à Barcelone, mais que je connais depuis très très longtemps, depuis une quarantaine d'années, et que je voyais à Barcelone avec Tosquelles. Et c'est lui qui a fait un livre là qu'il a intitulé, puis j'ai fait une sorte de préface. La parole est-elle encore possible et efficace en psychiatrie? Voilà, c'est le titre, la programme. Mais il raconte très très bien un tas de choses. Et c'est à la fin, il y a tout un chapitre où il reparle de Tosquelles. Et puis c'est là-dessus qu'il traduit, une sorte de conversation. Et que Tosquelles disait à peu près ça, comme je vous ai donné, il faut le lire ça. Oui, je l'ai vu. Alors, ça c'est d'après Fernando, ce que disait Tosquelles, quoi. On apprend avec les pieds, en marchant à côté de l'autre. On fait toujours son propre chemin avec ses propres pieds et ses propres traces. On lira plus tard à travers la poussière qui restera sur nos pieds, les traces laissées par les souvenirs des rencontres. Alors moi je mets dans mon texte pour commenter ce que dit Fernando et Tosquelles, en disant que ça me rappelait quand j'allais à Reus. Reus, voyez où c'est une ville à 10 km dans la terre, près de Tarragone. Et c'est là qu'il y avait un hôpital psychiatrique, ce qu'on appelle Peremata. Ça c'est en catalan. En castillan, ils disent Pedro Mata. Et c'est là qu'a été, étant tout jeune, Tosquelles, puis il a fait toute une équipe, quoi. Et on faisait des réunions régulières chaque année à Peremata ou à côté, à Reus. C'était pendant la Semaine Sainte, chaque année. C'est rigolo. Et puis, moi, je me baladais souvent dans Reus, sur le trottoir, en allant aux réunions avec Tosquelles. Mais Tosquelles, il était pas grand, un peu fort, un peu gros, pas grand, quoi. Puis moi, je suis une grande bringue. Alors ça me faisait penser à Sancho, et Don Quichotte. Lui étant Sancho, puis moi Don Quichotte, bien sûr. Et il me parlait comme ça, c'est exactement ça. On apprend avec les pieds, en marchant à côté de l'autre, ça tombe juste, hein. On fait toujours son propre chemin avec ses propres pieds, ses propres traces. Et on ira plus tard, etc. Ce que je disais tout à l'heure, quoi. Alors ça recoupe quand tu... Ce que dit Prévert, quoi. Quand on dit que les pieds... Con comme ses pieds, ça veut rien dire, c'est le contraire. Hein. Bon. Enfin, voilà. C'est simplement pour... évoquer ça, et puis en même temps, Tosquelles, il parlait tout le temps. On disait, c'est un parlette, ce type-là. Il fallait le couper. Enfin, c'est une vieille histoire. Et c'est tout ça qui est évoqué par Fernando. C'est ce que je mets, d'ailleurs. Et ces évocations, tellement sensibles, bien sûr, de François Tosquelles, qui me rappellerait où, c'est plus ce que je viens de dire, là.
Voilà. Et puis, je dis encore un truc là, en parlant de ça. Après, comme on faisait des réunions, puis il y avait plein de monde, hein, c'était je sais pas, des centaines de personnes. Hein. Et puis, moi, à chaque fois, j'étais sollicité avec d'autres aussi, en séance plénière dans l'amphithéâtre, là. Et puis, je marque un truc, là. Nous avions remarqué que lorsque je parlais, ne serait-ce que 2 minutes, Toscaïès se traduisait et ça durait 5 minutes. Alors, je lui demandais si la langue espagnole était si particulière qu'il fallait utiliser bien plus de mots. Alors il m'a répondu non. C'est parce qu'en traduisant, je leur explique ce que tu dis à eux tous. Alors ce que j'ajoute, ce qui certainement embarrassait beaucoup Fernando, qui lui-même était chargé de nous traduire dans les deux langues. Voilà, ça c'est une histoire comme ça. Mais c'est des quantités de choses évoquées là qui sont marrantes. Hein. Voilà, c'était justement pour illustrer ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il est certain que c'est pas pareil de marcher et à pied ou d'aller en vélo. Hein. Bien qu'en vélo aussi, on parle. Hein. On parle beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup de bicyclette. Entre 10 et 15 ans et plus tard même. Avec un copain, avec Robert Milon. Robert Milon, c'est mon copain, c'est le père à François. Hein. Et alors, avec lui, j'étais une espèce de lycée. Puis après qu'on a fait les études, quoi, de faculté. Puis on était allés ensemble à l'hôpital de Saint-Alban. Ben, on ne se quittait pas, quoi. Et alors, avant. Mais Saint-Alban, c'était déjà plus tard, c'était en plus tard. En septembre 47. En 47, j'avais déjà 23 ans. Mais dès l'âge de 15, 16, 17 ans, on faisait toujours du vélo avec Robert. Et en se disant, pour y comprendre quelque chose à la géographie de la France, il faut la faire en vélo, quoi. Et alors, on faisait des journées extraordinaires, de 7 h du matin à 7 h du soir, à vélo. Hein. Moi, j'étais plus résistant que lui, d'ailleurs. Il était complètement crevé, hein, mais je dis, allez, vas-y. Et on a exploré. Alors, je dis, c'est autre chose que de se balader en bagnole. Hein, parce qu'en voiture, on voit rien, je sais. Mais en vélo, on s'en souvient. Hein, surtout dans les côtes qui montent. Donc, on a exploré plein de trucs en France, ici. Je me souviens, on est même passé par ici, bien avant qu'on sache. J'allais venir dans la région. Je me souviens une fois, c'était pendant les vacances de Pâques, les vacances d'école, quoi. On était passé en vélo là, à Bracieux, et puis par ici, hein, pour aller jusqu'à Cheverny. Je me doutais pas qu'un jour j'y resterais, quoi. Hein. Voilà, c'est des vieilles histoires. Et alors, c'est marrant que le fils, un des fils, François, qui est un peintre extraordinaire, François. C'est le troisième fils de Robert, hein, qui est mort il y a 2 ans, Robert Milon. Et bien qu'il se mette. Il a débarqué ici, quoi. Puis il est très actif. Hein. Voilà. Les vieilles histoires, ça. Mais ça compte beaucoup dans la dimension historique ou historiale, comme on dit, de façon un peu précieuse. Historiale. C'est-à-dire lié à un tas d'événements qui ne sont pas forcément explicites, quoi. C'est ça l'historial. Alors là, quand je vois François, forcément, c'est tout ça à la fois. Hein. Surtout qu'ils ont 3 garçons. Il y a
Il a un frère qui est Jérôme, qui est devenu un éditeur extraordinaire, Jérôme. Et puis l'aîné, c'est Jean, qui est ingénieur, je ne sais pas quoi. Mais je les connais moins bien, hein, tandis que François, on se connaît très très bien, depuis longtemps. Mais ça, c'est tout le côté ancien, on a débarqué comme ça ensemble à Saint-Alban. On a rencontré ensemble Toscaïès, tout ça. C'est vieux, hein? 47. Vous vouliez autre chose, Je me posais la question du nouveau bâtiment, les pilotis. Que? Les pilotis. Oui. Je me posais la question, est-ce qu'on pourra laisser des traces là-bas? Enfin, dans le texte de Toscaïès, là, des pas en fait qu'on a marché à côté de l'autre, c'est tellement aseptisé que. Essayez de dire mieux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je crois qu'il veut dire, est-ce qu'on va continuer à marcher à côté de l'autre Bah ouais, bah ouais. pour avoir un peu de poussière, mais de manière plus générale aussi. D'une façon plus générale. Oui. On peut parler des pilotis, bien sûr. Ben les pilotis. Vous savez qu'il y a ici, il y a une sorte de petite guerre sur l'appellation. Car moi j'avais dit, faut avoir un peu plus d'imagination, et que lorsqu'on avait agrandi du côté, ils avaient appelé ça extension. Ils ne sont pas cassés, hein. Extension. Extension. Là-dessus, il y a eu un tas de trucs qui ont été évoqués. Ça a été même évoqué à un moment donné, à l'ouest, rien de nouveau, parce que c'est même. Ça va pas, mais. Et puis après, les pervenches, les maisons de retraite. Et puis alors, il y a des gens qui ont dit les érables. Mais ça a été pris par le bureau administratif, ils ont fait un cachet, les érables. Je dis, ça va pas. Mais rien à foutre. Et moi, j'ai dit les érables, les pervenches, tout ça. C'est vrai que les érables, ça a été, il y a des arbres magnifiques, hein, des érables. Et que les types qui ont fait, les ingénieurs qui ont voulu le faire, ils voulaient couper les arbres. Et c'est Marino qui a dit, il faut les garder, ces trucs, c'est magnifique. Hein. Bon. Les érables, ils sont célèbres. Quoi. Mais je dis, les érables. Et je dis, ce qui est original là-dedans, c'est que. On est dans un terrain, c'est la Sologne, hein. Puis c'est un terrain complètement. On creuse à quelques mètres devant le BCM, c'est de la flotte. Hein. On est sur de l'eau. De même, quand on a fait, je vous avais raconté ça, quand. Comment il s'appelle, a voulu faire le four à pain, le sculpteur, là. Comment il s'appelle? Oh! Quand on le connaît bien, qui a fait des petites têtes là de. J'oublie son importance, c'est un type très intéressant. Eh bien, il avait besoin d'argile. Alors, il y a longtemps, pour la poterie, on faisait des fois venir de l'argile de Vierzon, je crois. Là-bas, il y a beaucoup d'argile. Et alors, il a téléphoné au type de Vierzon. Et le type lui a répondu, mais vous êtes à la borne, c'est pas à peine de vous déranger. Creusez à 1 mètre. Et ça va plein d'argile. Donc ici, c'est argileux, c'est de la flotte et de l'argile. Il a fait son four à pain avec l'argile d'ici, quoi. Alors, par contre, pour bâtir quelque chose, il faut que ça tienne. Et bien tout s'enfonce. Hein. C'est pour ça qu'il a fallu mettre des pilotis. Des pilotis, il paraît qu'il y en a une quinzaine, une vingtaine, ça repose sur des colonnes, quoi, et qui vont jusqu'à 15 mètres. C'est pour ça, ils ont fait, pour ça qu'il y avait des travaux fantastiques, creuser pour trouver le calcaire, qui est très loin, une roche dure, mais c'est à 15 ou 20 mètres. Hein. Donc il y a une quinzaine de pilotis au moins. Hein. Alors c'est original. Et en plus de ça,
ça serait intéressant, parce que sur un plan plus philosophique, je dis toujours, ce qui compte, c'est ce qui ne se voit pas. Ben, les pilotis, on les voit pas, mais ça compte. Et si on ne les voit pas, eh ben, tout s'effondrerait. Et on va appeler ça les pilotis. Mais ça, ils n'ont pas voulu le savoir. Hein. Alors on voit maintenant les érables. Et j'ai vu qu'il y a même un cachet pilotis érable. Alors, comme ça, ça va. Hein. Je dis plus rien. Hein. C'est mieux que qu'à l'Ouest, rien de nouveau, ou que je ne sais pas quoi. Hein. Voilà, à peu près. C'est des petites histoires locales, mais qui reflètent quand même un état d'esprit comme ça, variable. Hein. Non, c'est pas bien ce que je raconte, c'est pas. Faut dire autre chose. Je suis. Faut vous raconter quoi? Bien que les, c'est bien là-bas, hein, les pilotis érables. Mais en même temps, j'avais peur que ce soit trop bien. On disait, ben enfin, quand j'avais des histoires compliquées avec l'administration, ce qu'on appelle ARH, l'agent de régional, je ne sais pas quoi, de l'hospitalisation. À un moment, j'étais un peu énervé, dit, oh bon, si ça ne colle pas, on peut très bien fermer la porte. Hein. Et puis, ça, c'est dans le moment-là, ça pourrait être un motel. C'est sur un circuit touristique, en fin de compte. Hein. Ça a une gueule de motel, d'ailleurs, c'est pas mal. Ça fait un peu cabane de plage aussi. Hein? Un côté cabane de plage aussi. Bah oui, c'est un côté comme ça. C'est marrant, c'est bien. Mais en fin de compte, ça semble petit à petit s'humaniser un peu. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai dit, il faut occuper ça. Par exemple, depuis des années, moi, le mercredi... La réunion Pichou. Je fais la réunion Pichou au grand salon. Mais dès que ça a été possible, je n'ai Pichou exprès au Piletti. Pour que ça soit un peu habité, quoi. Voilà. Ça va pas chercher loin, mais enfin, n'empêche que ça y est, l'habitude est prise maintenant. Avec les pieds, si on veut, parce qu'il faut y aller à pied, au pilotis. On va pas prendre un vélo ou une voiture, non? Ce qu'on se disait un peu, c'est aussi le temps où on va jouer. Peut-être pour habiller. Ah, bien sûr. Parce que les autres. Le temps, tout ça. Puis on dit, il faudrait faire un peu de cinéma là-bas aussi. Ou des petits films, n'importe quoi. Qui est un lieu, peut-être. Il ne faut pas non plus déserter la rez-de-chaussée du château, qui est lui-même en mauvais état souvent, parce que mal géré par la population. Il faut que c'est un lieu de rassemblement, le rez-de-chaussée, c'est un lieu, disons, une plateforme, là. C'est pour ça que je veux qu'il y ait le gap, un point lecture, mais c'est très difficile à armer, tout ça. Et puis que, par exemple, le bar, que ça ne se transforme pas simplement en un service quelconque. C'est pour ça que je dis, mais il faut faire comme un café littéraire, là-dedans. Servir, mettre des tables... Et en même temps qu'il y a des ateliers, une dizaine d'ateliers à un moment donné. La couture, des machins comme ça, le raccommodage, les cartes postales de Jean Launay, enfin, il y a énormément de choses. Hein. De la linogravure, enfin, même de la calligraphie, en fait. Aussi bien calligraphie chinoise, arabe. Et puis alors surtout, les trois armoires que j'avais faire là, pour mettre des revues, des trucs comme ça. Pour que les gens puissent lire avec ce... On a toujours plein de revues, on ne sait pas quoi faire, on les met là, puis... Mais ça reprend un tout petit peu. Mais c'est très compliqué. Très. Les gens, ils pensent pas bien avec leurs pieds, je crois.
Ils pensent pas beaucoup avec leur tête, mais encore moins avec leurs pieds. Alors là, c'est embêtant. Hein. C'est difficile, hein. Mais ça reprend un peu. Ça reprend un peu parce que c'est en liaison, ça devrait. Mais c'est avec des pensionnaires que ça marche le mieux. Moi, je m'adresse surtout aux pensionnaires. Il ne faut pas trop le dire, mais et ça marche. Par exemple, les rapports entre le rez-de-chaussée du château, là, le grand salon et puis le petit, et puis la salle des colonnes, comme on dit bizarrement, là où il y a le gap, en principe, et puis la chapelle. C'est toute une histoire, la chapelle aussi. C'est là que s'accumulent les livres. Pendant longtemps, c'était bien tenu, ça, par Ginette, qui tenait, hein, Ginette Boudonnet, qui avait un registre avec des fiches et tas de trucs. Puis tout ça, petit à petit. Puis j'avais mis un piano, là. Un beau piano. J'avais eu l'occasion. Un Yamaha, hein. Beau piano. Ouais. Alors j'ai appris la semaine dernière qu'il y a des types qui jouent comme des... pas avec leurs pieds, mais pas avec quoi. Mais qu'il n'y a pas... Il faut faire gaffe. Hein. Et puis alors, les livres et les revues, ça devait aller justement au rez-de-chaussée pour alimenter les trois... Tout ça, c'est des projets. Il y a quand même quelqu'un à la bibliothèque en ce moment. Il y a du monde. Ça reprend. Il y a Claire, par exemple. Mais Claire. Elle y est tous les après-midi. Il n'y a pas que Claire, il y en a 3, 4, 5. Hein. Ça reprend, petit à petit. Mais c'est long, hein. Mais ça a été affreux. Hein. Puis il faut tenir compte aussi de la pathologie. Il y en a une qui est très intelligente, mais très, très malade quand même. Et pourquoi vous n'allez pas jouer le piano, à la chapelle? Elle m'a dit au bout d'un certain temps. Elle dit, j'y vais pas. Parce qu'il y a la Sainte Vierge. Oh, c'est que ça alors. Hein. Mais j'ai dit, mais vous savez que la chapelle, moi je me souviens il y a très très longtemps, j'avais fait venir l'évêque de Blois pour la désacraliser. Donc la Sainte Vierge, maintenant c'est plus la Sainte Vierge. Ben n'empêche, elle n'y va pas quand même, je veux du piano. Hein. Hein, il y a des histoires. Hein. Bon. Alors la Sainte Vierge, elle est toujours là. Hein. Bon. Et puis il y a des trucs qui s'accumulent. Regardez. Il faudrait. Ce qui serait intéressant, c'est de faire l'histoire des objets et du passage. Il faudrait faire l'histoire de tout le matériel à reliure. C'est énorme. Et ça, vous pouvez avoir des détails historiques. Par notre historien professionnel ici, qui est Jacques Brière. Il a une mémoire. Il se souvient parfaitement bien qui c'est qui a offert à la Borde tout le matériel de reliure. Et l'autre fois, il disait, il y a un an, il savait même la boutique où ça avait été acheté à Paris. Et puis le nom du type qui faisait ça, c'était un autre malade. Hein. Et puis le fait que sa reliure a été déménagée à Blois, quand on a ouvert des appartements, quoi, bon. Et ça a fonctionné pendant des années très bien à Blois. Et puis c'était un malade aussi qui s'occupait très bien de ça. Il m'a relié des livres, ça, j'en ai là, parfait, hein, parfait, avec des dorures et tout ça. Il y a tout le matériel. Il me semble que rien n'a été fauché, ce qui est rare. Hein. Et tout ce matériel, maintenant, on le cherche. Et ben, après des modifications à Blois, de l'organisation de la psychiatrie publique, on avait prêté ça. Et puis, d'un seul coup, on ne nous a plus. Tout le matériel disparu. Et il y a quelques années, un des médecins de l'hôpital dit, c'est bizarre, on a... Dans la cave de l'hôpital, il y a tout un matériel de reliure. Ben, c'est le nôtre.
on était pop. Et il est là. Mais personne ne s'en sert. C'est quand même. Bon. Alors il y a un grand projet. Il y a un grand projet. C'est d'une part qu'on vérifie. Il est dans une petite pièce de la salle de spectacle. C'est des gros trucs. Hein. Il y avait une partie dans la petite sacristie de la chapelle. On a tout repris. Avec un meuble, avec des tiroirs, avec des trucs, des dorures, des trucs comme ça. Hein, pas. Et alors, il y a quelques personnes que ça intéresse. Mais pas directement d'ici. Il y a par exemple tout le groupe autour de cette jeune femme-là, d'Argentine, Alejandra. Elle semble passionnée par cette histoire. Et elle dit, au besoin, je viendrai chaque mois pour faire la reliure. Mais il faut absolument remettre ça en place. Où est-ce qu'on va le mettre? Et c'est elle qui a nous réveillé un peu l'esprit là. Et alors on a pensé, et j'en parlais à Marino là, quand enfin on pourra aller au premier étage, c'est pas de mal à veille, parce qu'il faut faire des travaux, on est obligé de faire encore un escalier. C'est l'administration qui exige ça. Alors le temps qu'on fasse ça, mais ça va se faire. Hein. Et dans quelques mois, il y aurait tout le docteur Vert, un lieu d'exposition pour les trucs de Jean Launay et toute la bande. Quoi. C'est assez grand. Et puis une autre grande pièce pour bâtir, pour mettre tout le matériel de reliure. Parce que pour la reliure, c'est pas simplement... Parce que le matériel, c'est plus de la moitié du bureau. Mais il faut surtout une grande table. Donc il faut une place, une grande chambre. Du deuxième, du premier étage. Là, c'est le projet pour les mois qui viennent. Et à ce moment-là, l'équipe autour de Alejandra et puis des gens d'ici pourront faire ça. Alors, on s'occupe, mais ça semble très intéressant de redonner des points de rassemblement, comme ça. De même, il faudrait une autre pièce pour pas que ça se mélange là, parce que c'est n'importe quoi. Ça se mélange avec les costumes et les mégots, les informatiques. Là. Qu'il y a une pièce spéciale pour tout le matériel d'informatique. Moi, je n'y connais rien là-dedans, mais il me semble que ça serait bien au premier étage. Je ne sais pas. Il faudra que j'en parle avec tout le monde. Alors voilà, il y a des projets, disons, d'occupation là. Il y aurait donc une sorte de musée permanent. Bibliothèque, musée, puis des objets de toutes sortes, hein, en rapport un rapport vraiment très sérieux avec Villeneuve-d'Ascq, hein, qui va en venir le 30 septembre. Hein. Parce que Jean Launay avait énorme création chez lui. Et là, on retrouve François Milon. Heureusement qu'il était là. Sans quoi ça aurait été liquidé, hein. Il a ramené tout, des quantités de livres, de peintures, de dessins, de énormes, de Jean Launay. Et alors, les gens de Villeneuve-d'Ascq, ils sont très, très admiratifs de ça. Ils viendront le 30 septembre, hein, c'est Christophe Boulanger et puis Sabine Faupin, qui s'occupent très très bien de l'art brut et puis l'art général. Au musée de Lille, qui est un des plus grands musées d'Europe, hein, maintenant, bientôt. Il y a une section pour Jean Launay. Ça vaut le coup, quand même. Hein. Bien que ça fait mal au cœur. Hein. Parce que moi, j'y pense tout le temps, Jean Launay. C'est l'horreur. Hein. Il aurait vu ça. Ça aurait été fantastique. Hein. Ça aurait tout changé. Mais là, on en parlait... Justement, j'en ai parlé ça au comité d'accueil vendredi, avec tout le monde, voilà. Je ne sais pas si vous étiez. Et on a décidé, je leur ai expliqué ça. Et il dit, ça serait bien, il avait des boîtes entières de ce qu'il appelait les cartes postales, il y a des collages, tout ça. On va reprendre une boîte, et puis on va, pour l'expo de Lille, de Villeneuve-d'Ascq,
qu'ils ont au moins une photo, sinon un petit film. Faire un atelier, là, pendant le mois de septembre, j'en reparlerai vendredi, hein, pour dire, voilà, les cartes postales de Jean Launay, que ça puisse se voir, ne serait-ce qu'en photo. Mm-hmm. Voilà ce qu'on... Bon. C'est à mon avis, ça compte énormément, ça. Mais c'est certain, dans une structure hospitalière, de plus en plus administrative, avec tout ce que ça suppose comme maintenant, bureaucratique, quoi. Mais il n'est pas question de faire des histoires comme ça. On n'a rien de fou de cartes postales, de machin. Et la reliure peut-être, mais avec un horaire comme ça, parce que personne n'ira, quoi. Tandis que ça reste encore des points de rassemblement, on peut appeler ça comme ça, de rassemblement, où les gens, à propos de quelque chose, puissent se rencontrer. Ça compte beaucoup, hein, parce que quand de dire vous allez vous rencontrer, bon, ils s'emmerdent. Mais c'est à propos de quelque chose, là. C'est une sorte de relation indirecte. C'est ce qui marche le mieux. Alors, les gens qui n'avaient rien à se dire, ils se mettent à parler pour une statue ou les cartes postales ou ce qu'on voulait, ou faire un film. Faire un film. Et puis, je dirais pour la carte postale, par exemple, aussi, c'est un voyage, quoi. Les gens, ça éveille plein de choses aussi. Exactement. Hein. C'est... Et puis, les gens donnent des cartes. Voilà. En disant, tiens, j'étais là, tiens, tu peux. Et puis c'est génial ce qu'avait fait Jean Launay, le découpage, vous le connaissez toutes, il y a des quantités. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Des cartes? Oui, de tout ça. Ah oui, c'est un trésor. Hein. De ce que je raconte. Ah oui, mais c'est aussi un trésor. Hein? Ça passe? Oui, oui, bien sûr. Ah bon? Vous cheminez? Je chemine lentement, mais ça fait longtemps que ça dure. Hein. Mais c'est pour meubler, en fin de compte, meubler, enfin, donner des arguments ou des raisons pratiques et autres. Ben, le fait d'être ici, c'est pour ça que je garde toujours ce slogan, hein, si on peut dire. Et qu'est-ce que je fous là, quoi? Je crois qu'il faut se dire ça tous les jours, avec la même surprise. Et si on s'habitue, il n'y a plus de surprise, et puis ça n'intéresse plus personne. Hein. Ça devient de la mécanique, hein. La bureaucratie, comme on dit. Oui? Pour poser d'autres questions? J'ai pas spécialement de questions qui me viennent à l'esprit, mais je vous fais confiance pour continuer à parler. Je sais pas, moi. Hein? Il va y avoir prochainement, je crois vers le 30 septembre, avec Coda, un personnage Coda, hein? Le poulailler et les chevaux, hein. Et il va y avoir un petit voyage de quelques jours en roulotte, et ça c'est très intéressant, la roulotte là, il manque encore des pneus mais elle va s'en occuper, et donc il y a un cheval qui traîne la roulotte et ils vont en Sologne, ils vont faire 2-3 étapes, quoi. Il y aura, je crois, j'ai compris ce qu'elle me disait, qu'il y aurait 4 personnes dedans pour dormir la nuit, mais le jour, on les rejoint pour aller porter à bouffer, quoi, une 10 ou 15 personnes en vélo. Ils vont commencer par, je crois, aller à Saumery le premier soir. Bon, là, j'ai de la place pour dormir, bon. Le deuxième soir, ils iront, qu'ils appellent, moi je sais pas où c'est, la ferme de Boulogne. Ferme de Boulogne, parce que avant la forêt de Chambord, c'est la forêt de Boulogne. Hein. Bon. Tout de suite, là, pas loin. Et puis après, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Et c'est là que
À midi, il y a toute une bande de types d'ici qui vont en vélo, puis qui viennent pendant 3-4 jours, quoi. Je crois qu'elle m'a dit qu'on ne peut pas plus, je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Et bien ça marche très bien, ça. Il y avait déjà eu ça il y a très longtemps. Il y avait eu un petit film de fait là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'est fait plusieurs fois d'ailleurs, plusieurs années de suite. Hein. Mais je me souviens d'une année, j'étais venu ici, il y avait un des fils de Tosquelles justement, Michel, le plus jeune, qui lui travaillait comme éducateur près de, en Lozère, à Marvejols. C'est pas loin de Saint-Alban, 30 km. Et avec des gens un peu limites, quoi. Il en a amené une petite bande et ils ont fait les promenades en roulotte avec. Et c'est là qu'il y a eu un petit film de fait. C'est peut-être lui qui a fait le film d'ailleurs. Mais ça serait bien de se renseigner là. Et ça vaut le coup. Filmer un peu le voyage en roulotte, c'est très, très pittoresque. Hein. Puis ça a du succès. Ben. J'en reparlerai vendredi au comité d'accueil pour savoir si. Où est-ce qu'elle en est, Koda ? Ça, c'est des variations, on peut dire, de la vie quotidienne. C'est mieux que faire ça que de rester dans un coin à rien foutre. Hein. Voilà.